Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo slime VS, enfin ce sera plutôt colle VS colle VS colle. Donc vous m'avez demandé de faire un colle Elmer's VS colle Cléopâtre et j'ai décidé d'ajouter dans le colle VS la colle transparente de chez Action. Au moins comme ça on aura quasiment toutes les colles que j'utilise dans mes vidéos et je vous dirai celles que je préfère à la fin. Mais avant de commencer le slime VS, j'aimerais savoir si vous avez vu l'animation qu'il y a eu sur Fortnite hier, le code déchiffré et tout. Moi, je me suis couchée hyper tard pour voir tous les numéros du code. J'ai trouvé ça super sympa. Franchement, ils ont trop géré, surtout qu'ils ont effacé quasiment toutes les données du jeu. Même sur Twitter et tout, on ne trouvait plus rien. Je trouvais ça super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, j'ai hâte de découvrir la saison 2 de Fortnite, la nouvelle map et tout. Franchement, je pense que je serai en live sur la chaîne de ma nièce Tiffany. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et en même temps aussi à la fin de la vidéo. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas. En plus, on joue de temps en temps avec nos abonnés. Ça nous fait super plaisir de jouer avec vous. Voilà. Donc c'est parti pour la vidéo, je vais arrêter de vous parler de Fortnite. Donc j'ai pris trois bols différents pour chaque colle. Là je vais mettre la colle Elmer's. Ici je vais mettre la colle de chez Action et ici celle de chez Cléopâtre. Donc c'est parti. Donc moi les colles Elmer's je les trouve sur Amazon. Donc là, j'ai mis la moitié de la bouteille. Après, les quantités ne seront pas forcément exactement les mêmes. Donc, les deux plus transparentes, ce sont la colle de chez Action et la colle Elmer. Celle-ci est un peu moins transparente. Elle est quand même très transparente, mais elle a une petite teinte plus foncée en fait. Donc voilà pour les trois cols. Et ensuite, je ne vais pas mettre de couleur. Enfin, quoique j'hésite un peu. Peut-être. Non, je vais laisser ça comme ça. Je ne vais pas mettre de couleur. Et je vais former les trois slimes. Et ensuite, on découvrira lequel est le mieux niveau texture. Et est-ce que la transparence est mieux pour un slime que pour un autre. Alors, je vais former les trois slimes avec le liquide magique. Et je vais commencer par Elmer's. J'avais oublié ma petite touille. Allez, c'est parti. J'en mets pas beaucoup vu qu'il n'y a pas énormément de colle. Enfin, quand même la moitié du pot. Donc forcément, ce n'est pas totalement transparent une fois que l'on a mélangé, tout simplement parce qu'on fait des bulles quand on mélange. Mais il est vivant ce bol. Oh, j'ai mis trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais en transverser, hop, dans le prochain bol. J'en ai mis énormément, donc je sais pas du tout. Oui, heureusement que j'en ai enlevé. C'est tout blanc, il n'y a même pas de transparence du tout.
Donc là, mon slime est bien formé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser reposer pendant 1 ou 2 heures pour qu'on puisse voir à peu près ce que ça donne pour chacun des slimes au bout de 2 heures. Mais je pense pas qu'ils auront une transparence forcément. Mais peut-être qu'ils seront un petit peu mieux d'ici là. Donc là, il y a déjà un petit peu de liquide magique. Celui-ci, c'est la colle de chez Action. Donc déjà pour la colle de chez Action, ce que je peux vous dire c'est que j'ai mis beaucoup plus de temps à former le slime et le slime est déjà beaucoup plus blanc de ce côté-là que de ce côté-là. Je pense que vous voyez bien la différence. Donc celui-ci mettra sûrement plus de temps à devenir tout transparent. Et on va passer au dernier slime qui est celui avec la colle Cléopâtre. Donc pour la colle Cléopâtre, c'est tout le contraire que la colle de chez Action. Le slime s'est formé, mais hyper vite. Et en plus, c'est celui qui a le plus de transparence sur les trois. Donc là, je vais tout laisser reposer pendant 2 heures. Donc je vais les recouvrir soit d'alu ou soit avec un couvercle. Donc pour ces deux-là, j'ai un couvercle. Pour celui-ci, ce sera sûrement avec de l'alu ou autre chose. Voilà. Donc à tout à l'heure, d'ici 2 heures pour moi et tout de suite pour vous. Donc me revoilà après environ 2 heures et on va pouvoir découvrir enfin les slimes. Donc là, c'est Elmers. Donc bien sûr, il y a encore pas mal de bulles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, il faudra attendre 2 jours. Ici, c'est Action. Donc déjà, vous voyez bien que c'est resté très très blanc par rapport à ici. Et ici, c'est Cléopâtre. Waouh! Celle-ci est presque totalement transparente. Donc déjà, tout à l'heure, elle était plus transparente que les autres. Mais là, ça se voit encore mieux. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la texture. Donc savoir si chaque slime a la même texture. Donc c'est parti, on va commencer par la première que j'ai faite avec la colle Elmers. Elles n'ont pas encore été travaillées à la main, ces fameuses pâtes slime. Waouh, j'adore. Donc ça s'étire super bien. Par contre, ça reste assez collant. Pourtant, j'ai mis pas mal de produits à l'intérieur. Elle est quand même pas mal transparente. Et comme d'habitude, Elmers ont l'habitude d'avoir des pâtes très épaisses. Là, la colle est très épaisse, j'ai l'impression. Du coup, ça nous donne un slime très épais. Allez, on va regarder le slime avec la colle de chez Action. Que je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Très collant.
J'ai remis un tout petit peu de produit au-dessus car celle-ci était très très collante. Donc celle-ci, j'avais mis plus de temps à la former. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est un peu plus blanche. Et franchement, le slime est beaucoup moins épais qu'avec Elmer's. C'est dingue, franchement, la différence entre les deux. Il est beaucoup moins transparent alors que c'est quasiment la même taille, je les ai formés quasiment pareil. C'est peut-être parce que je l'ai travaillé plus longtemps. Donc la texture est totalement différente. On va passer au dernier slime, qui est le slime avec la colle Cléopâtre. Ok. Waouh, il y a une grosse différence là par contre. Donc regardez comme il est déjà très transparent. Alors que c'est la colle la moins transparente. Il a un effet déjà plus transparent que les deux autres. Mais par contre, j'ai l'impression que la texture est un peu trop cassante. Peut-être que j'ai mis trop de produit. Alors que j'avais l'impression d'avoir fait pareil pour les trois. Mais ce que je vais retenir, c'est que ça reste transparent comparé aux deux autres. Donc voilà pour les trois slimes. Ce que je peux vous dire, c'est l'inconvénient déjà, c'est pour celui-ci, il est hyper long à former. Donc celui-ci, c'est la colle de chez Action. Mais après, le slime, une fois formé, est très bien. Celui-ci là, c'est moi qui ai dû faire l'erreur d'en mettre un petit peu trop. Il a un avantage, c'est qu'il est resté transparent comparé aux deux autres. Et celui-ci, bah, écoutez, il est entre les deux parce que la transparence, bah, c'est mieux que pour celui-ci. Il s'est formé plutôt bien, un peu moins vite que celui-ci. Donc voilà. Pourquoi pas? Donc mon préféré, après il faudrait voir au bout de 2 jours comment que c'est. Je pense qu'ils seraient tous très très bien niveau transparence. Mais ma préférée au niveau colle, mes deux préférés parce que j'en ai deux préférences, c'est ces deux-là. Même si j'adore la colle de chez Action, je l'utilise très régulièrement parce qu'elle n'est vraiment pas chère. C'est une qualité aussi. Mais franchement, niveau qualité slime, je pense que ces deux-là seront mieux. Même si celui-ci, j'ai fait une petite erreur en mettant un peu trop de liquide magique. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!